Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers Roble Rouge pour vous servir. On a un peu baladé comme ça, on s'est baladé dans la ville où on vient d'arriver, c'est la Dopole, et on a trouvé un petit Evoli gratuit. Bon voilà, Gabi Magic a rejoint l'équipe, il y a 6 Pokémon dans l'équipe, je ne sais pas si je garderai les 6 sur moi, peut-être qu'on échangera en fonction des combats à venir, le boîte PC, tout ça, vous connaissez. Mais pour l'instant, on va aller visiter cette petite ville fort sympathique. Oh, la Team Rocket. Laisse la team tranquille. Très bien, je viens d'arriver, je... Oh, c'est mon copain Tartare. Ce n'était qu'un Tétard avant d'utiliser une pierre eau. Ah, on peut faire évoluer Tétard en Tartare avec une pierre... Ouf. Ouais, mais j'ai Carabaf aussi. Ah, je me suis brûlé la langue. La gentille dame de la potion m'a donné du thé, mais c'était brûlant, j'aurais dû souffler un peu dessus avant. Oui, effectivement. On trouve de tout. Non, non, je veux te parler, je veux te parler. Merci. Et mon Smogo à Cromosil. Il est gentil, mais il crache du poison pour un rien. Ma mère est morte. Nous faisons tout pour que la sécurité règne à Célédopole, c'est pour ça que le casino n'est pas bon pour notre image. Ouais, parce que c'est la Team Rocket qui gère. J'ai tout perdu au casino. J'aurais dû acheter un prix avec mes jetons avant de tout dépenser. J'ai tout perdu, je suis nul. Qu'est-ce que tu mates? Et moi que tu mates? Un vin sur Newton, mec. Je suis en vacances avec mon frère, mon petit ami. C'est la Dopole si belle. Tellement belle, en fait. Magnifique. Je suis en vacances avec ma sœur, ça craint à mort. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi il y a son frère? Je voulais la ken dans les bois. Désolé, mec. Des Pokémon quoi? C'est un hôtel ici, c'est complet. Merci, hein. Super l'accueil, hein. Franchement. Ok. Ça fait plaisir, hein. Y'a quoi là? Bonjour? Chef! 2000 Pokémon ont été envoyés comme prix au casino. Je suis pas du tout ton chef, hein. Ne touche pas à bouton derrière le poster du casino, hein? Mais non, je l'ai pas dit. Bon, t'as rien dit, mec. Oh, triple 7, par ici le pognon. Oh, j'adore le pognon. Une carte. Ouais, je reconnais, c'était ma tête sur la carte. Ouais. Je suis content d'avoir vu. Psst, y'a un truc sur le casino. Ok. Vas-y, rigole, j'ai plus une thune. C'est marrant, hein. Pff, je te vais. Prends ça, tiens, et surtout, prends perte tout ton blé. Boîte de jetons. Oh, merci. Je joue au Casinax. Miam. Le type à la table a tout perdu. Je me régale. Madame. Madame, s'il vous plaît. Madame. Vous pouvez revenir? Encore? Mes Pokémon sont faibles, hein, je vais souvent acheter des accélérateurs. C'est quoi des accélérateurs? Salut! On fait une petite pause là. Faites une pause, hein. Qui suis-je pour vous en empêcher? Je suis que le perso principal du jeu, après tout. Bon là, c'est le centre commercial où on achète tout ce qui est centre commercialesque. Manoir, c'est la donne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Melo, fé. Nido, rendido, dodo. Miaouche. Tu devrais pas dépenser tout ton argent dans les boissons, essaye ça à la place. Un thé. Merci. Contre la soif, y a rien de mieux que le thé. Ça tombe bien, je connais 3 personnes qui ont méga soif depuis 6 mois à peu près. Le problème, c'est qu'ils ont pas de jambes et ils peuvent pas bouger, donc ils restent là, quoi, ils ont soif. Ah, mais c'est l'avant de truc où on a trouvé Evoli. Peut-être que je vais avoir le Silver Scone. C'est quoi, là, sur la table? On peut pas cliquer dessus, ça m'énerve. C'est un gros truc où, normalement, on peut cliquer dessus. Mais non, on peut pas. Ça me vénère. Ça me vénère. Padapadapadapadapapam. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Non. Je vais aller parler à ces braves hommes ici. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai écrit l'histoire, Erika et Belle, Ondine aussi, non? Et puis Morgane et Mimi. Ah, c'est les développeurs du jeu. J'ai fait tous les graphismes, j'ai même créé ton personnage. Je suis du jeu. Moi, je suis un programmeur. Je suis le concepteur du jeu. Remplir ton Pokédex, c'est difficile, hein. Je sais pas, je m'en occupe pas du tout, je m'en fous un peu. Complète-le, reviens me voir. Non, je viendrai pas.
C'est pas du tout l'intérêt de ce let's play. Abonne-toi à Roble Rouge, tu le sauras. Grande gueule, va. Et créer Pokémon, mais non, hein. S'abonner à Roble Rouge, c'est trop dur. Putain, mais tout ça pour ça, quoi. Pourquoi je suis monté à cet immeuble? J'ai fait 20 000 étages pour rien. Allez, on descend. Oh, c'est à l'envers. J'ai la haine. J'ai la haine. Allez, on sort. Est-ce qu'on a tout fait à part le grand centre commercial? Là, on s'en fout. En bas. Oh, il y a une arène ici. Oh, on est dans Pokémon, cela dit, c'est un peu normal. Hop. Cet arbre semble pouvoir être coupé. Voulez-vous utiliser coupe? Oui. Miaou! Cette arène est terrible, y'a plein de jolies filles. Tortue géniale. C'est quoi comme arène? Ouais, y'a pas de monsieur. Arène Pokémon, c'est la dopage, championnat Erika, vainqueur, faux like. Oh, faux like, il doit passer par là. Et du coup, c'est une arène quoi? Herbe, apparemment. Ouais, qu'on va parler de plantes, ok. Ça marche. J'ai bien l'impression que Gabi Magique connaît sa future forme. Une petite pierre feu et vous, le Evoli. Il s'enflamme. C'est bien, on n'avait pas de Pokémon feu. Oh, ça sert à rien, même si Aqualie est extrêmement puissant. On a Carabaf. Et électrique, bah on a Pikachu. Voltali fait pas le pot. De toute façon, Voltali, c'est le plus nul des évolutions. Je t'ai pas parlé, toi. Hein, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un a volé le Scopefield. Ah, mais je le cherche. Le voleur est parti encore par là, mais je l'ai perdu de vue. Où est-ce qu'il peut bien être maintenant? T'as pas dit par là Par là, tu veux dire? En fait, t'as pas bougé les bras, donc tu m'as dit par là, mais... Mais non, pas du tout, je reviens ici. Mec, c'est toi qui as le Scofield? Le Scofield? Michael Scofield? Montre ton dos, as-tu des tatouages, vieillard? Ah, mais c'est le casino, là. La chance, c'est mon truc. Et la drogue aussi, j'adore la cocaïne. Je veux le joli Porygon, mais c'est dur de gagner avec ces machines à sous. Ah ouais, Porygon. Wow, on s'en fout un peu, non? Quel prix désirez-vous? Boule fumée, grain de miracle, charbon ou mystique, flûte jeune? Non. Ah bref. Oh, il y a un mini Draco quand même. Mini Draco, ça claque. Porygon 10 000, on s'en fout. Un sécateur. Les gars, un sécateur, un des meilleurs Pokémon de la première gène. Mini Draco, un sécateur, ça pourrait m'intéresser en vrai. Les autres, bof. Et toi, tu veux donner quoi? Des CT. Hey, toi! Sacré toi, va! Une vraie graine de champion, Erika, le champion de la reine. Elle utilise des Pokémon plantes, elle te semblera douce et tout, mais c'est un piège. Ah ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas la reine. Jouer, jouer, encore jouer, 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 mon dentier est tombé dans la machine. Hein, des jetons, voilà, mais comment dire, t'es cache. Merci, monsieur. Le truc, c'est de regarder l'écran comme un dingue. Quand tes yeux sont en sang, t'es bien parti. Quoi ça, tu veux des jetons? Ils sont adorables dans ce casino. Toi, t'as des jetons? Est-ce que je peux m'éclater? Y'a... Et toi? Oh non, c'est déjà parlé. Merci. Hein. Un pêcheur. Petit, tu veux jouer? Si. Ces machines ont des mécanismes différents, ça c'est sûr. Écoute donc ça. On raconte que Stripo est tenu par la Team Rocket. Tu dis ça parce qu'il y a un mec de la Team Rocket en face du poster juste là. Bonjour monsieur. Surveille les posters, bouge de là. Oh, un combat en plein milieu du casino. Comme ça, au milieu des braves gens qui jouent leur argent. Leur salaire durement gagné. Très bien. Si c'est ce que tu veux, tu l'auras voulu. Gabi, go! Oh, il est trop pipou, Gabi! Par contre, c'est une mauvaise idée de te mettre contre un Rattata, je pense. On va mettre Volfield, ok? Pour des révisions évidentes de cassage de gueule. Salut, mec. Regarde ma mimique. Je vais pas commencer à faire la voix des Pokémon si on n'en est pas sorti. Double pied dans sa face.
Sdouf. Sdouf. K.O. Super efficace, il est mort. Le Ratatok est mort. Vasferalti, voulez-vous changer? Oui, j'ai un tueur de Vasferalti attitré dans l'équipe, c'est Damon. Damon qui va aller détruire le Nosferalti. Hop, le choc manteau. Il y a du sang partout sur les murs du casino. Nosferalti a explosé. Et dégage, Polos. Vous avez battu Sbir Team Rocket. C'est tout, gras? Notre cachette va être découverte, je vais prévenir le chef. Je vois où tu pars du coup, hein, mec. C'est pas grave. Bienvenue au Casino Rocket. Ah ouais. On l'appelle le Casino Rocket. 10 500 jetons. Oh, c'est cher. Ben non, pourquoi? Bah ouais, mais en fait, c'est cher les jetons. On a 50. Comment on joue? Ok, on fait du 3, vas-y. J'ai utilisé 3, j'ai gagné 2. Pas très rentable. Un Pikachu, un coquillasse, un coquillasse. Attention. Magnéti. Ouh, les 3 magnéti, pas du tout. Bien joué. C'est bien, ouais. Psychoquack, Magnéti. Psychoquack, oui, j'ai gagné 8. Oh, 2 roquettes, non, ça vaut rien. Pikachu, Magnéti, Pikachu. Pas mal. Oh, pas loin. Est-ce qu'il y a un moyen de gagner, genre? Enfin, je veux dire par rapport au truc, parce que je dois cliquer quand ça s'arrête, mais est-ce qu'il y a moyen de masteriser le truc? Je pense pas. Oh, 2. Bien joué. Dommage. Ah, en fait, les 3, c'est genre... Ouais, voilà, il y a 3 magnéti, donc... Ok, c'est en diagonale aussi. Je n'avais pas compris... Oh, dommage, pas loin. On se fait chier un peu, non? Ouh, le double 7. Ouh, je sais pas ce que j'ai eu. Une idée. Ouh, je sais toujours pas ce que j'ai eu. Quatre jetons, c'est beau. En vrai, je peux juste acheter des jetons. Acheter le Pokémon avec les jetons que j'ai acheté. Oh, bravo. Hop, on passe à 2, comme ça c'est centré. Hop, dommage. Attention, les derniers jetons. Oh oui, 6. On est en train de se refaire là, c'est le début de la richesse. Oh. Bravo. Oh, bravo. Je n'arrête pas de gagner, je suis à présent riche. Je rachète votre casino. Oh non. Oh, j'ai perdu, j'ai plus de jetons. Oh, trop bête. Ouais, salut. Je suis grave déçu quand même. Hein. Je vais pas vous mentir que c'était un peu mon rêve de gagner au casino. J'étais concentré et tout. J'ai mis toutes mes économies. On se casse. Tac. Hop là, le grand centre commercial. Bonjour. Bonjour et bienvenue au centre commercial de Celado pour le tableau sur la droite du magasin.
Marché de dresseurs, jeux vidéo, cadeaux, médicaments, distributeurs. Voir bien, allons-y. J'ai pas trop retenu, mais c'est pas grave. Bonjour. Je peux vous aider? J'ai des trucs à vendre, je pense. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça... 100, ouais, je vais le garder en fait, ça oui. 5000. Ouais, ça je vends. Non, ça je garde. Ok, merci. T'as quoi à vendre, frère? Oh, ultra laser. C'est fort ça, non? Rien d'intéressant, désolé. À la prochaine. Bonjour. Oui, vendez quoi? Super bol. Super potion, rappel, antidote. J'ai tout ce qu'il faut, désolé. Au revoir. Équipe-toi de rappel avant de partir à l'aventure. Mais je peux pas, tu n'as pas du tout suivi. Raconte de la merde, l'écoutez pas. Tous les Pokémon capturés à Nîmes. Comme une voiture. C'est où? J'ai fini Pokémon, pas vous. Ça vous dirait d'apprendre une nouvelle capacité? Je pensais vous apprendre Riposte, ça vous tente? Non. Non? Ok, bon bah... Tant pis. Cool, un Gravalanche, j'adore le Gravalanche, hein? Gravalanche est transformé en autre Pokémon. Oh, cette mère de Dieu. Ouais! Mon pas devoir m'échanger son Kangourex. Pas mal, Kangourex. Le numéro d'immatriculation d'un Pokémon sert à l'identifier lors d'un échange. Et pour le contrôle technique. Évidemment. Je cherche un cadeau pour ma copine. Une belle Poképoupée devrait faire l'affaire. Ouais, je suppose que ça lui plaira, mec. Écoute, Dunk, tu peux fuir face au Pokémon sauvage en les occupant avec une Poképoupée. Ok, c'est bon à savoir. Je peux vous aider? Oui. Pierre-feu. Je peux te prendre ça, s'il te plaît? Bim. Merci, monsieur Pierre-foudre. Bim. Merci, c'est tout. Non, à la prochaine. Les accélérateurs de Pokémon sont en vente ici. PV plus augmente les PV, le calcium augmente les capacités, le zinc booste la défense, le carbone augmente la vitesse. Ah, c'est fort en fait. Je vais acheter un accélérateur de Pokémon, une protéine augmente l'attaque, le fer augmente la défense. Tu comprends ce que je dis ou pas, petit? Mais ça monte les... Oh, c'est méga cher. Oh, c'est trop cher pour moi, désolé. Oh, je peux pas me permettre. Je ne peux juste pas me permettre. Oh, c'est redresseur, tu le crois ça, mais c'est une petite peste, elle m'agace. Alors, chez soi, je vais boire une fouée. Tu veux que je te paye une canette? Tiens, une eau fraîche. Merde, j'en ai acheté deux, putain. Tiens. Oui. Ouais, ouais, de l'eau fraîche. C'est cool, tiens, c'est pour toi. Merci. Mur lumière, c'est une capacité qui... Si je lui donne d'autres choses, elle me donne d'autres CT ou pas? Soda cool. Limonade. Oui. Ouais! Du soda cool, une fouée! Merci, tiens, prince. Elle va pas changer d'accent, belge et tout, on comprend pas. Rune Protect, c'est une capacité qui empêche les problèmes des statues. Pas mal! Oui. Ouais, de la limonade, une fouille! On mélange les accents maintenant. Merci beaucoup, voilà pour toi! Protection, c'est une capacité qui affaiblit cette physique d'adversaire. Ok, pas mal, pas mal. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure et. Bisous! Waouh! Cette vidéo était extraordinaire! N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.